Bonjour à toutes et bonjour à tous, encore une autre fois sur votre chaîne Dorossi Prime. Alors, dans cette séance, on va entamer les exercices écrits. On est dans nuit 1, sommeil 4 et on va commencer. Vous êtes concentrés, vous êtes installés bien. Prenez le cahier, le stylo et suivez avec moi. Ok, on commence. La question numéro 1 dit: je vois ici là pour former trois mots et je les écris. Alors, nous avons ici d'ici là. Nous avons deux lignes. J, ga, pa. Zone, xi, raf. On va lier les syllabes pour former des mots ayant un sens. Ok? On commence. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit j, zone, ou bien j, xi, ou bien j, raf? Je vous laisse un laps de temps pour répondre. On dit j'ai raf. Bien. On passe maintenant à la au second mot. La deuxième syllabe. Ga zon ou bien ga xi ou bien garaf. On dit bien évidemment gazon. Passons au dernier mot. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit ta zone ou bien taxi ou bien ta raf? On dit taxi. Ok? Je relis par flèche les syllabes pour former ces mots et on va écrire les mots dans la case spécifiée à l'écriture. On va passer maintenant à la deuxième question. J'écris les mots qui manquent. Alors, nous avons ici trois mots. Boxeur, genou, caramel. Et nous avons deux phrases à compléter. Kenza a mal au. Qu'est-ce qu'on dit? Boxeur, genou ou bien caramel. Bien, regardez l'image. Je vous laisse un laps de temps pour répondre. Bien, vous avez trouvé la réponse? On corrige. Kenza a mal au genou. Pour la deuxième phrase, regardez l'image. Le, qu'est-ce qu'on dit? Le boxeur porte un gilet rouge. Ou bien, le genou porte un gilet rouge, ou bien, le caramel porte un gilet rouge. Regardez l'image. Observez bien l'image. Observez-vous bien l'image. On dit, le boxeur porte un gilet rouge. Bien. On va passer maintenant à la troisième question. Et la troisième question dit: je mets en ordre les étiquettes et je recopie la phrase. Nous avons combien de mots? Ou bien combien d'expressions? Nous avons 1, 2, 3, 4. 4 expressions. Dans le taxi, le garage et. Qu'est-ce qu'on dit? Le taxi est dans le garage. Bien. Passons maintenant à la quatrième question. Je place les lettres pour former les mots du dessin. Ok? Alors, on va commencer. Nous avons ici des images. Les images. Et chaque image exprime un mot. Chaque image exprime un mot. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le mot
désigné par l'image, exprimé par l'image, on va le mettre dans les cases. On va remplir les cases par les lettres du mot hein, exprimé par chaque image. On va commencer. Zèbre, zèbre. Jupe, jupe. Nuage, nuage. Citron, citron. Taxi, taxi. Ok? Si joli. Verticalement, horizontalement, chaque mot, je le lis correctement. Aucune lettre ne manque. Ok? On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo avec les exercices écrits, avec l'évaluation de l'unité 1 aussi.